Salut à tous, ici Boyas Nias pour une toute nouvelle vidéo. It's me, Mario. Aujourd'hui, ça va être présentation de ma collection Wii U. Parce que tout simplement, je voulais faire une vidéo. Parce qu'en ce moment, c'est la mode. Tout le monde sur la Switch. Ah si, ça, je n'ai pas la Switch. Pourquoi? Je vous en ferai une vidéo prochainement. Donc, je me suis dit, ben, on va vous présenter les jeux Wii U. Alors par contre ça va être un bordel parce qu'il y en a beaucoup qui sont neufs et quelques-uns qui sont d'occasion. Donc je sais pas si je présente dans un ordre, dans l'autre. Donc je pensais commencer par les B-Box. Voilà, j'ai pas beaucoup de B-Box parce qu'en fait j'avais la B-Box Twilight Princess que j'ai dégagée comme un abruti. Maintenant ben, j'ai plus l'amiibo donc je galère pour finir mon jeu. Si quelqu'un a un amiibo donc de Link sous en mode loup, ça serait sympa de me le prêter, je vous le rends, mais il faut un ouvert parce que l'ami Conquirax il l'a fermé, pour fermer ben, je peux pas jouer avec, donc ça va être dur. Par contre si quelqu'un là, je veux à tout prix finir ce jeu, ce Twilight Princess, je suis à la fin, donc il me manque le donjon de en mode loup et après ben, il me suffira d'aller éclater l'autre Ganon et puis voilà, le Twilight Princess sera fini en 2 ans minimum. Donc pour l'instant je joue à un autre. Donc j'ai le Xenoblade Chronicles X que je n'ai pas fait. Celui-ci est neuf, jamais ouvert. Mais bon, tellement de jeux à faire en ce moment, je fais le Breath of the Wild. Donc c'est dur. Le Super Mario Maker, celui-ci j'y joue de temps à autre quand il y a mon neveu qui vient. C'est plutôt sympa. Il y a des mondes en ligne, impossible. Je me demande comment ils ont fait pour créer ces mondes-là les mecs. Le Star Fox First Point Edition, jamais ouvert aussi, j'y ai jamais joué. C'est pas trop mon délire, les Star Fox, Star Wing, pas trop mon délire. Alors ça c'est un jeu que je regrette, j'aimerais bien les faire. C'est le Bayonetta 1 et 2, d'après pas mal de potes, c'est des bons jeux. Donc j'aimerais bien les tester. Celui-ci c'était plus pour la collection, je remercie encore le collègue qui me l'a récupéré. Le Tokyo Mirage Session, celui-ci, hop, c'est pas mon délire aussi, mais bon. Je me suis dit, ce ne sera pas simple à trouver. Des fois, je me demande si un jour, je ferai le full set Wii U comme l'ami Conquirax. Parce que c'est vrai, je commence à en avoir pas mal. Au final, je ne les ai même pas comptés. Donc, on va faire... Ben, je pense qu'on va faire dans l'ordre comme ça. Si c'est ouvert, si c'est neuf, c'est pas grave. Donc, le dernier jeu que je vous avais présenté, le Mario et Sonic Jeux Olympiques 2016. Que j'aime bien jouer quand on est plusieurs. Bon, après, c'est vrai que c'est plusieurs jeux en multi. C'est la base de la Nintendo d'un côté. J'avais chopé également sur Micromania le Team World Est. Non, celui-ci je l'avais chopé en cash à 3€. Mais en cash je crois avec l'ami Yo Francisco tout ça. Le Steam World Collection qui était à 3,99€ il me semble. C'est deux jeux que je n'ai pas testé depuis. Hop, ouais, c'est deux jeux que je n'ai pas testé. Donc à 3,99€ je me suis dit pourquoi pas. Je crois qu'il est en solde là actuellement à 10 balles. Ou peut-être 5, je sais plus mais c'est... J'étais content. Bon après je vais vous présenter, sans vous le présenter, le Mario Kart 8. Excellent petit jeu. Le Nintendo Land, celui-ci toujours à plusieurs. Celui-ci je ne l'avais pas trouvé énormément, donc je l'avais pris au début à Micromania. Je l'avais payé quand même cher, presque 25€, et maintenant il est soldé de partout. Peut-être qu'il faudrait que je me le prenne en neuf, parce que je sais pas, comme je ne pense pas y jouer, je pense que si je me le trouve en neuf pendant les soldes, ça serait peut-être une bonne occasion de le prendre. Hop, des mini-jeux que j'aime bien jouer, le Game & Wario. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça, c'est vraiment un jeu pour le full set, le Your Shape Fitness Evolved 2013. Hop, ça, c'est l'ami Francisco qui me l'avait récupéré. Vous voyez encore le prix, 19,99€ à Micromania. Je l'ai testé. C'est un point and click, franchement, j'avais fait peut-être 2 mondes et après ça a commencé à me gonfler, c'était trop répétitif. Tu mènes l'enquête en fait, mais trop répétitif, ça m'avait un peu rendu fou. Ça, je me rappelle l'avoir trouvé un vide-grenier pour 3€, l'Assassin's Creed Black Flag. Donc ça, c'est pas trop mon délire, l'Assassin's Creed. À ce qui paraît, le dernier est plutôt pas mal. Le Origin, je crois. Avec les pharaons, tout ça, donc il a l'air plutôt pas mal. Mais bon, j'avais fait l'Assassin's Creed 1 sur PS3 et ça m'avait dégoûté, donc c'était trop répétitif. Et... Enfin voilà, donc j'avais complètement zappé cette série. Peut-être que vous, ça vous plaît, mais moi, c'était pas trop mon délire.
Hop, on va prendre par plusieurs. Le Mario Party 10 que je joue en, avec les frères et sœurs quand ils viennent. J'avais pas trop apprécié le mode tout le monde contre Bowser. Après, les autres c'était mieux un peu avant. Mais bon, à voir. Le Animal Crossing, jamais testé. Je l'avais en boîte, je l'avais eu pour mon anniversaire. Ben, j'ai dégagé la grosse boîte parce que ça prend trop de place. Le Sing Party, j'ai le micro. Ça, c'était mon ex qui joue avec. Je devrais lui jeter peut-être. Attrape, c'est à toi. Un Smash Bros, ben, la base. La base de la Wii U. Un jeu que je viens de récupérer, ben, j'aurais peut-être dû attendre les soldes, mais bon, j'avais un bon de 10€ à Micromania il y a 2 semaines, je l'ai récupéré, le Lego Star Wars. À ce qui paraît, les soldes à 5€ maintenant. Donc bon, c'est pas grave, c'était un bon. Ça, je vais le garder pour après. J'avais pris également à Micromania The Book of Unwritten Tales 2. C'est un point and click, pas essayé, mais l'image me donne bien envie. Mais après, le 99 Megaman, hop, je l'avais eu, ben, pareil à micro, je crois pour 10 balles. Maintenant, tu le trouves à 2 balles. Ben, pas sur Wii, sur PS4 et Xbox One, à top achat, il était à 2 balles. Donc, ça n'a pas tenu très longtemps. Le Bayonetta 2, donc j'ai sorti de sa boîte. Hop, un petit mail. Celui-ci, je l'avais trouvé en vide-grenier, je me rappelle, The Wonderful de 101. Une dizaine d'euros, pas, jeu pas courant. Le Paper Mario, donc que j'ai chopé pour 10€ durant les soldes. Un Mario Tennis que j'avais eu pour mon anniversaire. J'avais joué une fois, ouais, bof. Le New Super Mario Bros. Putain, ça va tomber, je le sens. Celui-ci, c'est Kirby qui me l'avait filé. Il me semble que c'est Kirby celui-ci qui me l'a filé, si je dis pas de bêtises. Le Donkey Kong Country Tropical Freeze. Donc plutôt content, je l'ai essayé avec mon neveu, ça... C'est dur parce que quand il y a deux, qu'il y en a un qui meurt, à chaque fois ça décale, ça revient, ça repousse, c'est un bordel. Le Hyrule Warrior que je n'ai jamais fait. Beat them all avec Link. À tester, franchement à tester. Mais bon, comme je dis, j'ai tellement dû à faire. Bon, vous avez tous le même délire que moi, je pense, avec le nombre de jeux qu'on a à faire. Celui-ci que j'ai vu, comment il s'appelle ? Gorgul, même les noms de mes potes, je les oublie quand je suis fatigué. Alors bourré, j'ai jamais été bourré, mais bourré, je dois me rappeler de dégâts, moi. Le Darksider 2, je l'ai vu faire sur PS4, il me semble, qui me donne bien envie. Donc j'aimerais peut-être me le trouver sur PS4, celui-ci, le 9 sous blister, je l'ai trouvé pendant les soldes à Cultura. Le Capitaine Todd, que je devrais finir, qui était plutôt sympathique à jouer. Il faudrait peut-être que je le finisse. Le Kirby, que je n'ai jamais fait. Jamais. Et je l'avais acheté 30 balles. Non, c'est pas possible. Il est soldé de partout, je suis là maintenant. J'ai essayé le Fast Racing Neo. Il me plaît pas. Franchement, F-Zero aussi, ça me donne mal au cœur. Donc, celui-ci, c'est Geo, il me semble. Sonic Lost World, je crois que c'est Zéo qui me l'a trouvé en solde. Il me semble. Le Shovel Knight, que j'avais essayé, mais... C'est bien, mais voilà, c'est pas le genre de jeu que je vais jouer pendant des heures. Ensuite, c'est pas fini, il en reste encore un peu. Le Yoshi Woolly War, jamais fait. Je l'avais trouvé où celui-là, je me rappelle même plus c'est que je l'ai trouvé. Je m'en rappelle plus. Le New Super Luigi U, que j'ai trouvé à Micromania. Le Hobbit que j'avais eu pour la Saint-Valentin il y a 2 ans peut-être. Celui-ci aussi, je devrais lui... Piouf! Le Rodea, j'aurais dû peut-être attendre, mais bon, c'était l'ami Francisco qui me l'avait chopé à Perpignan, au champ de Perpignan. Donc sûrement en solde. C'est pas le genre de jeu que je vais ouvrir également. Le Terraria qui me donne bien envie par contre. Petit jeu ND, il me semble. Des 505 Games. 505 Games, c'est pas ceux qui jouent, qui ont fait des jeux sur PS2 également. Il me semble fortement. Mais bon, les 9 sous blister, pas ouvert encore. Le Rayman Legend qui est 9 sous blister, mais je joue sur PS4. Excellent, excellent, excellent jeu. Excellent, mais vraiment. Ensuite, un code de téléchargement de Mario vs Donkey Kong, je l'avais eu à mon anniversaire. Jamais ouvert. Celui-ci, je sais pas si quelqu'un l'a ouvert. Peut-être que le code a une date de péremption. Le Zombie U que j'ai testé et que je n'ai pas apprécié. Donc voilà. Le Splatoon que j'ai joué avec mon neveu, je sais pas comment il y en a, ils font pour apprécier, mais bon. Chacun son délire. Moi, j'ai pas apprécié du tout. Bon, le Bayonetta 1. Voilà. Le Sport Connection que j'avais trouvé en vide-grenier. Non, en solde, sûrement.
le Super Mario 3D World, que j'ai un petit peu avancé dedans, j'ai fait 3-4 mondes, il est plutôt sympa, mais bon, comme toujours, à 4, c'est toujours mieux. Le Lego Adventure que mon neveu a fait devant moi, c'est bien, mais bon, c'est pas le genre de jeu que je vais passer des heures dessus. The Lapin Crétin, petit jeu également. Je sais pas, avec le contre-jeu, j'espère que vous allez voir les jeux que j'ai présentés au moins. Parce que là, je présente toujours la même boîte. Hein. C'est pas les bons jeux. The Lapin Crétin, que j'ai joué à plusieurs, ouais, c'est bien, mais c'est pas. En tout cas, c'est pas trois pattes un canard non plus. Celui-ci est dégueulasse. Le Mario Sonic Jeux Olympiques, j'ai joué, franchement, bidon. Le Pikmin 3, excellent, excellent, excellent jeu. Je crois qu'il me manque un seul truc pour finir le jeu à 100%, et depuis, je l'ai arrêté, je ne l'ai jamais repris. Donc, peut-être qu'un jour, il faudrait que je prenne une bonne heure, que je le finisse. Donc, en fait, il reste deux jeux. Hop. Trois jeux. Les trois jeux. Hop. Il reste donc trois jeux à présenter. Enfin, à présenter, je pense que tout le monde les connaît. The Wind Waker en HD. Celui-ci, j'ai commencé un live dessus, mais sur la GameCube. Donc, peut-être que je continuerai ce live. J'aime bien ce jeu. Faudrait peut-être que je le finisse un jour. J'avais fait quasiment toutes les îlots. Mais j'avais pas tué Canon. C'est toujours pareil avec les Zelda. J'essaie toujours de les finir à 100%. Et au final, comme j'arrive quasiment à 100%, ben, ça me gonfle de bloquer. Et ça dure trop longtemps. Et au final, je lâche et je tue jamais les Canon. Donc je finis jamais les jeux. Donc celui-ci, il faudrait peut-être que je me le refasse. Et les deux derniers, donc, que j'essaye à finir également. Le Twilight Princess en HD. Excellent titre. Alors franchement, pour vous dire, au départ, le jeu, je le trouve très sombre. Étant adepte et fan du Ocarina of Time, celui-ci, je le trouve très 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 sombre. Et bon, là, ça fait quasiment 2 ans que je suis dessus, parce que je joue une heure de temps à autre. Là, je rejoue un peu plus souvent qu'avant. Mais celui-ci, je jouais une heure de temps à autre. Il est mieux. Mais je le trouve très sombre quand même. Avoir la fin du jeu, je ne l'ai pas encore fini. J'attends d'avoir avec le mode loup le donjon des 50 niveaux du mode loup. Donc à voir. Et bien en ce moment, ben, comme tout le monde, le Breath of the Wild, j'ai un petit peu avancé, mais je cherche plus les sanctuaires, à finir les sanctuaires qu'autre chose. Parce que les Korogu, je crois qu'il y en a 900, donc celui-ci, je risque pas de le finir à 100%. Parce que 900 Korogu, je pense que je vais passer un bon moment. Et comme vous avez vu, j'ai pas mal de jeux. Combien j'en ai exactement? On va compter et on va voir. One eternity later. Donc j'ai 52 jeux. Je sais pas combien il y a de jeux en tout pour le full set Wii U. Donc si quelqu'un le sait, me le dira dans les commentaires. Donc c'est une console que j'apprécie bien. Pour les jeux que j'ai appréciés, donc je joue énormément PS4 et Wii U en ce moment. Donc je pense que je vous ferai une vidéo. Pourquoi la Wii U au lieu de la Switch? Pourquoi ne pas passer à la Switch au lieu de la Wii U? Donc voilà. Je pense que ça sera peut-être même le titre de cette vidéo. Non. Là c'est collection. Toute ma collection Wii U. Ça sera le titre. Titre putaclic. Toute ma collection Wii U. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. S'il y a un titre qui vous a marqué, n'hésitez pas dans le commentaire à me le dire. Si vous en avez vu un qui me manque, n'hésitez pas à me le dire également. Là, je devrais faire peut-être une liste de ce qui me manque. Et bon, après, il y a les Barbie, les Hello Kitty que l'ami Conquerax a acheté. Mais bon, ça, c'est le genre de jeu que je trouverai comme ça, même s'il y en a qui sont un peu plus durs à trouver. Est-ce que je ferai un full set que FH ou est-ce que je ferai un PAL avec les exclus d'autres pays, je sais pas encore, on verra. C'est pas pressé, c'est vraiment au cas par cas, quand on trouve un jeu, on le prend. C'est vraiment pas la SNES où je vais mettre des... Acheter, là c'est vraiment... Ça on trouve, voilà. Même l'Hello Kitty, je crois qu'il a payé 6 balles en solde, l'ami Conquerax. Peut-être que si je le trouve dans un magasin à 5 balles, je le prendrai, mais là... C'est pas dans l'optique pour le moment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser le pouce bleu des familles, de vous abonner, de commenter et de partager si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Ciao l'équipe, portez-vous bien. À voir peut-être que... Je suis KO en fait. 10h10, je suis KO. Ça me rappelle les vidéos quand je les faisais KO. Ben c'est le cas là. Les point and click, c'est pas trop ma tasse de thé. Le Uncharted était plutôt sympa. Uncharted, je suis tellement KO, je me rappelle même plus du nom. Quoi.
si je l'ai fait sur PS4 là, attends. Attends, je reviens gros. Ah putain, c'était le Until Dawn. Uncharted gros. Il est fatigué. Si je vais aller travailler, je vais être mort. Ça me rappelle avant que j'aille travailler comme ça.